Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP avec cette team. Une team cheatée, les amis. Clairement, c'est cheaté. Pourquoi? Parce que je vais jouer le tag Cyborg LF accompagné du Végéto Ultra et accompagné également du Mega T LF. Donc là, les trois persos, autant vous dire qu'ils sont cancer. D'accord? Ça donne une team vraiment cheatée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai mis des caps de Zenkai, surtout également pour le Mega T, etc. Histoire que ça frappe vraiment fort. Et je pense que ça va distribuer des tartes aujourd'hui, clairement. À moins que je me fasse tarter. Ça, c'est possible aussi, tu vois. Bref, voilà les amis. Max de pouces bleus, n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire et me dire si vous aussi vous avez déjà testé cette team. On est parti. Yeah! Allez, on est parti pour cette première game. Donc voilà, Mega T Végéto et le tag. Alors, ça va être très fort. En fait, je vous explique pourquoi ça va être très fort. Parce que tout simplement, le tag là que vous voyez là, dès que tu vas switcher, tu changes déjà de type. Tu vois, c'est vraiment très très fort. Ok, donc il a pris quoi? Ok, le métal couleur. Ok, faut faire gaffe au métal couleur sur mon Mega T, etc. Par exemple, par contre, le métal couleur, si je lui mets la C18 devant lui, il va partir à la cantoche. Ah, ça va être la cantine, frère, il va manger des petits pois sans les dents. Tu vois, clairement. Allez, on est parti. On va voir ce que ça donne. Alors, on prend le temps. C'est ça qui est fort, en fait. Avec Mega T, c'est cheaté. C'est que tu peux patienter tranquillement, t'as ta jauge unique, tu remets de la carte verte. Voilà, ça suffira pas, donc là, faut j'esquive. Alors, ça lag un poil, mais bon. Ok. Ça tanque plutôt bien. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ok, ça lag un peu, hein, ça lag un peu, mais bon. Pas mal. Donc là, c'est le métal couleur là qui va être un poil relou. Donc là, on met le Végéto Ultra. Ok. Il commence bien sa game, lui. Pas mal, pas mal. Il tempo bien, le mec. Ok, j'ai capté un peu son gameplay avec sa tempo, là. Ok. Et là, on remet Mega T. Voilà. Allez, maintenant, on se ressaisit. Voilà, parfait. Tu vois, j'ai capté sa tempo. Il patiente à chaque fois. Il attend un pas de côté. Allez, allez, allez. La cuisine. Voilà, la cuisine. Une spé, quand je vous dis, c'est cheaté. C'est cheaté parce que là, en fait, il y a les caps des Zenkai qui rentrent en compte. Et du coup, ça a fait mal, quoi. Bah, par contre, là, dommage, j'aurais bien voulu un clash. Pour vous montrer également le clash, parce que Mega T, il prend le dessus sur les clashs, ne l'oublions pas. Ouais, c'est bien, ça passe. Pff, parfait. Ush. Voilà. Parfait. Perfect dodge. Ça lag un peu, mais bon. Voilà, parfait. Bon, bah lui... Allez, tu sais ce qu'on va faire. Voilà, le cyborg, il va te fouetter. Voilà, en espérant que tu ne me contres pas. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la violence de cette team? C'est cheaté en fait. Franchement, elle est trop forte. Cette team est vraiment trop forte. C'est un truc de fou. Voilà. Donc là, le Trunks, il est parti aux fraises. Hein. Pourtant, il avait bien commencé la game, l'adversaire. L'adversaire avait bien commencé la game. Après, j'ai capté un petit peu ses tempos, tu vois. Et là, ça y est, retournement de situation. Donc là... Voilà, ok, là, esquive. Donc là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que là, on met la cover. Voilà. Il a déjà esquivé. Voilà. On va patienter. Voilà, hop. Uch. Et puis bon, bah là, c'est plié, quoi. Ça va être plié. Voilà. On ramène le Végéto, et voilà. Et là, rage quit. Voilà, tout simplement, les gars, c'est... Voilà, c'est comme papa dans maman, tu vois, tout est bien huilé. C'est un délire. Non, les gars, vraiment, c'est un délire. Cette team, en fait, les trois persos que je joue, ça a des mécaniques de fou. Tu vois, avec l'inversement du contre-type, etc., les cartes vertes, par exemple, du cyborg qui annule les covers et tout, c'est vraiment trop fort. Deuxième game. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre, il a sorti une team GT. Oh, non, 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 non. Ça, c'est... J'ose même pas imaginer. Je dis ça et puis ça se trouve, il va me fouetter. Peut-être il est trop fort, le mec. Sait-on jamais. Mais je suis quand même assez confiant. Faut juste que je fasse gaffe un petit peu, tu vois, au Kid Goku GTS et J3, là, sur mes persos rouges. Par contre, si jamais je mets la C18 devant, vu que ça inverse le contre-type, elle va fouetter le type bleu. Tu vois, c'est ça qui est intéressant avec le tag, que je trouve vraiment trop, trop fort. C'est... On va voir. On va voir. Let's go. Donc, on prend le temps avec Mega T, toujours. Voilà, comme on a de la jauge unique, on peut pas se faire taper, donc on prend le temps.
Ah, bien wedge. Bien wedge. Je m'attendais pas à ça. Ok. Je vais mettre le végétal là-dessus. Voilà, histoire de tanker un minimum. Bon bah là... Ush. Ok. Donc là, le but, en fait, c'est que je monte la jauge du C-17 pour switcher sur la C-18 pour ensuite bien violenter le Goku SSJ3 GT. Ok. Parfait. J'ai bien anticipé, là. Il croyait que j'allais faire une cover, mais non. Voilà. Voilà. Donc là, hop, on remet du ki. Voilà. On va faire l'aspect là-dessus. Voilà. Alors, il tank bien le Omega Shenron, hein. Le Omega Shenron Ultra, il tank. Mais bon. Voilà. Hein. Ich. Cheaté de ouf. Voilà. J'ai encore une verte. Qui me permet en plus de voir comme quoi il attaque. Donc, je vais Rising Rush. Voilà. Comme ça, là, il peut pas l'esquive. Voilà. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est clairement, c'est... Voilà. Ok, c'est bon, ça passe. Bon, bah voilà. Un au moins, déjà. Vous voyez ou pas? Le timing, d'accord? Avec la carte verte, j'ai pu voir le point d'exclamation pour voir qu'il allait attaquer. Donc, je me suis dit, c'est bon, je Rising Rush direct. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Hein. C'est pour ça, c'est vraiment fort, les cartes vertes, tout ça qui te permettent de tempo. C'est un truc de ouf. Voilà. On va mettre le végétal, voilà, c'est bon. J'ai eu le temps de mettre le végétal. Donc là, comme ça, au moins, je suis sûr qu'il ne mourra pas, le végétal. Pareil, encore une fois, c'est cheaté. Parce que, bah, il a une survie au chaos, le végétal. Tu vois, c'est... En fait, les trois persos sont vraiment complets, quoi. Voilà, hop, il est là. Salut, c'est moi. Voilà, là, je le vois encore attaquer. Voilà, et là, du coup, c'est la strike. Vous voyez ou pas? C'est, voilà, si vous êtes assez bon dans la tempo, derrière, après... Oh là 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 là. Oh là là là, et puis il s'arrête plus, hein. Let's go. Ok. Il a mis le Kid Goku SSJ3. Très bien. Brr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 r
pour qu'ensuite je puisse arracher son Majin Vegeta. Vas-y encore. Voilà. Allez, on va ramener une carte. Voilà. Et là, on va switcher. Hop, petite tap attaque. Voilà. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal, avec les lags, c'est assez compliqué, mais bon. On fait avec. Ok, donc là, on va mettre le Végéto pour tanker sur sa spé. Je pense qu'après, il va switch sur le Végéta. Voilà, il a switché, c'est normal. Ok, c'est pour que je me retrouve à contre-type sur le Végéto. Donc là, voilà. Il remet le Gogeta. Ok, là, il y a la spé. Ah ouais, mais tu vois, pour être dans le bon timing, frère, avec les lags, très très compliqué. Hein. Ok. Alors, faut que je fasse attention au Rising Rush, bah voilà. J'allais dire, faut que je fasse attention au Rising Rush, mais ça y est, la Rising Rush. Ok, donc là, je vais perdre un perso, je me retrouve en 3v2. Mais j'ai confiance, vraiment j'ai confiance. C'est avec cette team, même si t'es en infériorité numérique, avec tes persos, t'as confiance, frère. Avec le tag, etc. Je suis serein. Let's go. Ok, très bien. Parfait. Voilà. Alors attention, parce que le Vegeta, il a une cover strike. Donc faut surtout pas faire de strike. Voilà, on fait que des blasts. Voilà. Et là, par contre, là, hop, on Rising Rush. Voilà. Et du coup, voilà, c'est parti. Ça va foutre le camp à la cantoche. Si ça contre pas la Rising Rush, voilà. C'est ça qui est intéressant, voilà, parfait. Faut surtout, faut vous dire quand vous jouez en PVP, donc là je m'adresse surtout aux débutants, etc. Faites attention au cover. Faut anticiper et connaître les cartes de l'adversaire. Tu sais que là, fallait pas mettre de strike ou quoi, ou sinon faut faire back cover, mais c'est assez délicat. Donc là par contre, là la C18, si je l'attrape avec C18, ah il va chialer. Ah il va chialer fort. Voilà. Ok. Oh, il va chialer. Donc là, il n'y aura plus de cover, comme j'ai fait la verte. Donc il peut mettre Gogeta et tout. Oh là, ça va chialer dur. Oh, ça va chialer dur. Oh, les dégâts, mais c'est trop cheaté, les frères. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ok, là, j'ai entendu son pas de côté, mais je pense que voilà, il va. Voilà. Oh bah. Et c'est le rage quit. Mais c'est normal. Non, mais c'est normal. Les frères, c'est un délire. Clairement, cette team, c'est un délire. C'est violent. C'est violent, c'est cheaté, c'est trop fort. C'est tout ce que vous voulez. Tu mets Mingate, qui va, entre guillemets, te temporiser la game. De part, ça joue unique. Tu rajoutes le tag, d'accord? Tu peux switcher entre C17 et 18. Qui va changer le contre-type. Et qui, en plus, avec sa carte verte, va annuler les covers. Tu mets le Vegeta Ultra, qui a une survie au chaos, donc qui peut tanker justement le Rising Rush et revenir, qui en plus de cela a un main, qui te ramène une attaque ultime. C'est trop fort. Clairement, les gars, c'est trop fort. Et on n'oublie pas, il y a également le clash automatique remporté par le Mingate. On ne l'a pas eu dans cette vidéo, mais clairement, les gars, ces trois persos ensemble donnent une mécanique de fou furieux. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est toujours pas fait. Et abonnez-vous aussi à la chaîne Twitch. Il y a des surprises qui arrivent là prochainement. Je pense qu'on va aller voir des films Dragon Ball, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous follow. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek.